Step into the ring, it's time to rock the night. Sergeant Slaughter's here, ready for the fight. Million-dollar man, with his gold and his flair. We've been through it all, we've gone everywhere. Wrestle Rock! Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce Wrestle Rock Podcast. J'espère que vous allez bien à la maison. Je suis Nostradaben et me voici en compagnie de mon grand ami de toujours, Johnny D. Hey, comment ça va, mon Ben? Ça va très bien. Yes. Avant de s'en aller sur le sujet, tu as des affaires à plugger comme nos casquettes? Yes! On vient de recevoir nos belles casquettes. Seulement 15$. Hey, venez nous encourager, chers amis. Un petit message sur les médias sociaux et on vous envoie ça par la poste, chers amis! On pourrait en mettre une des paniers de Noël. Ben oui, pourquoi pas? Non, mes petits-enfants pauvres, ils n'ont pas de linge, ils n'ont pas de manger. Ben oui, pourquoi pas? Ouais, on habille du monde, on nourrit du monde. Nourrissons la planète. Oui, comme tu avais déjà dit, au lieu de manger une claque à yel, ben t'as une calotte Wrestle Rock. Exactement! Hey, chers amis, aujourd'hui, on parle de qui? On parle de Patrick Choisy! Oui, d'ailleurs, ça va faire 15 ans le 14 septembre prochain qui, malheureusement, elle nous a quittés après une longue et terrible bataille contre un cancer du pancréas diagnostiqué début 2008. Oui, M. Patrick Choisy qui a laissé une marque assez importante dans l'histoire du cinéma. On se souvient là, de des grands films là, que tu pourrais nous citer. Oui, ben, il y a Dirty Dancing, il y a Mon fantôme d'amour, ben, ouais. Il y a Point Break d'Extrême Limite. Tout à fait. Mais ça, on va en parler dans le courant de sa biographie. Tout à fait. Donc, M. Patrick Choisy, qui est en fait né en 1952, plus précisément le 18 août, naissance de Patrick Choisy à Houston, au Texas. Deuxième enfant de Patty née Carnes, qui était, en fait, c'est une danseuse, une chorégraphe, là, on ne parle pas d'une danseuse nue, bien évidemment, là, et professeur de danse. Et Jesse Wayne Swayze, qui se trouve à être son papa, qui est décédé en 1982, qui était un dessinateur en ingénierie. Il y avait une sœur aînée qui s'appelait Vicky, qui est malheureusement décédé en 94, deux frères cadets, dont l'un d'eux qui est né en 1958, qui est également, qui a également été Don, acteur. Don Swayze, oui, c'est il ça. Il ressemble à crime à part de ça. Ben oui. Et puis, il y a eu Sean aussi, qui est né en 62, qui, ainsi qu'une sœur cadette qui s'appelle Bambi, mais c'est pas celle qu'on connaît de Disney, là. Elle a été adoptée. Et puis, elle est née en 66. Il faut ajouter qu'avant d'être acteur, M. Swayze, il a pratiqué différents sports et disciplines, comme la danse, bien entendu. Sa mère a donné des cours de danse à Houston, au Texas. Le patin sur glace, le ballet classique, le football, qui malheureusement, une blessure au genou l'a empêché d'atteindre les hauts sommets. Tout à fait. Certains arts martiaux, comme le wushu, le taekwondo, le aïkido. Tu sais, dans le bon routier, il arrache la jugulaire du gars. Ouais, mais tu vois que le gars a déjà fait des arts martiaux. Ben oui, puis en 1970, en fait, c'est une année qui est un point tournant pour lui, en fait. La rencontre de celle qui deviendra sa seule et unique épouse, on parle bien évidemment de Lisa Niemi, alors que cette dernière suit des cours de danse à l'école de sa mère, Patty Swayze. Ils se sont épousés cinq ans plus tard, excusez-moi, en 1975. Jusqu'en 2009, à la mort de M. Tout à fait, c'est ça. Là, on va vous parler de quelques apparitions cinématographiques. En 1979, il a fait ses débuts au cinéma dans le film Skate Down USA, où il interprète le rôle de Hayes Johnson. Oui, en 1982, je ne sais pas si tu te souviens, mon Ben, mais malheureusement... M. Choisy a perdu son père suite d'un arrêt cardiaque, d'une crise cardiaque. C'est alors là qu'il a sombré dans l'alcoolisme, les dépendances, probablement de drogue, qui aura bien du mal à se départir par la suite. Tu sais, quand t'sais, il noyait son chagrin dans l'alcool, ouais. Il y en a beaucoup, malheureusement, la maudite boisson. Ouais. Ensuite, 1983, c'est année où il joue dans Les Inadaptés, version française de The Outsiders, aux côtés de Rob Lowe, Emilio Estevez, Matt Dillon.
Bref, les acteurs qui sont fait connaître des années 80. Tout à fait. Et puis, lors de notre année de naissance, je parle bien évidemment de 1984, mon Ben, il y a eu la sortie du film L'Aube rouge en version française de Red Dawn aux côtés des grands acteurs tels que Thomas Howell et Charlie Chain. Oui, exactement. 85-86, il joue dans la série North and South, le Nord et le Sud, bien entendu. Ouais. Série où l'action se joue avant, pendant et après la guerre de sécession. Parce qu'on sait que les États-Unis, c'est des colonies anglaises. Là, les nordistes, les sudistes sont... Tout à fait. Et puis, suite à ces deux années-là, Patrick Swayze a fait carrière, encore une fois, au cinéma pour un film de hockey aux côtés de Rob Lowe dans le film de hockey Youngblood, où il incarnait, je ne sais pas si tu te souviens, mais le rôle de Derek Sutton, le capitaine des Mustangs d'Hamilton. C'est une réunion entre les deux acteurs. Oui, exactement. Et puis c'est sadique, ce film-là, parce que c'est... tu sais, quand ça se rentre dedans, les mises en échec, c'est même pas des bivitrées, c'est des clôtures. La face de la clôture, c'est débile. Ah, ça, non, c'est violent, maudit. Ben oui, ben c'est dans les années où ça brassait pas mal, le hockey. Là. Ben, c'est dans les meilleurs films de hockey que j'ai. Avec Slapshot et compagnie. Oh, ben ça sac pas, là. Dans... Non. Ben ouais, mais côté drame sportif, comme ils disent, là, c'est très bon. Yes, tu continues, mon ouais, exactement, problème. Excusez, j'ai un chat dans le bas. Pas de problème, mon chat. En 87, il connaît une grande popularité. On peut quasiment dire que c'est le rôle qui l'a mis sur la map. Oui, tout à fait. Dans le film Dirty Dancing, Danse lascive, bien entendu, aux côtés de Jennifer Grey. Dans le rôle de Johnny Castle, le séduisant prof de danse de la colonie de vacances, il interprète l'une des chansons fétiches du film, la fameuse chanson She's Like the Wind qui a été enregistrée exprès pour le film. Et puis suite à ça, c'est venu plein de belles choses, des articles promotionnels. Encore aujourd'hui, on en parle de Dirty Dancing comme étant l'un des meilleurs films de tous les temps. Là, tu sais, c'est quand même. Il y a eu un Dirty Dancing 2, c'est Havana's Night. Là. Ouais, mais ça se passe à Cuba. Là. Puis il fait une... le citron, là, il fait une chorégraphie de danse, tu le vois genre 5 minutes, mais c'est pas le même rôle qu'il y a. Ben non. Parce que ça se passe genre des années 60. Yes. Et puis, tantôt, tu parlais de Bar routier. Deux ans plus tard, ils ont sorti le film Bar routier en version française de Roadhouse, qu'ils ont refait récemment avec... Jake Gyllenhaal Conor McGregor. Et puis... en fait, il jouait le rôle d'un bouncer qui met de l'ordre dans un bar au Missouri. Il joue aux côtés de Ben Gazzara, Sam Elliott et Kelly Lynch. Puis Terry Funk aussi, que le défunt Terry Funk qui est décédé. Déjà il y a un an, hein, cette semaine. On a mis en reprise notre émission spéciale sur Terry Funk et sur le regretté Bray Wyatt. Vous irez voir ça, très intéressant. Yes! Ensuite de ça, 1989. Deux films en 89 quand même. Hein, c'est 1989, sorti de Un flic à Chicago, version française de Next of Kin, où il joue le policier de Truman Gates qui cherche à se venger de la mort de son frère assassiné par le syndicat des camionneurs. À noter qu'il joue aux côtés de Liam Neeson, Bill Paxton, Adam Baldwin, Helen Hunt et compagnie. En 1990, il joue aux côtés de Demi Moore et Whoopi Goldberg dans un autre film à succès appelé Mon fantôme d'amour, qu'on connaît, en version française de Ghost. Il interprète un banquier assassiné qui va devenir un fantôme qui, à l'aide d'un médium, va tenter d'entrer en contact avec sa veuve pour que cette dernière enquête sur son meurtrier. Et puis, tout le monde connaît bien évidemment ce grand classique du cinéma. La fameuse scène du pont en terre cuite a été parodiée dans la J'en fais la farce de Hubert. Petit clin d'œil. 1991, mesdames et messieurs, c'est année de la sortie d'Extrême Limite, version française de Point Break, où il incarne Bodie, dans le fond, le leader d'une bande de surfeurs qui font des vols de banque en se déguisant en ancien président des États-Unis. Il a comme co-vedette Keanu Reeves qui incarne un agent du FBI chargé d'infiltrer cette gang. Réunion entre les deux acteurs, car ce dernier jouait dans Youngblood. Il faisait le goaler dans le fond des Mustangs. Oui, c'est vrai. T'as raison. Faut ajouter qu'on parlait tantôt de la blessure au genou au football, le Patrick Swayze. Ouais. Ben, le personnage de Johnny Utah, de Keanu Reeves, dans le fond, c'était un ancien joueur de football. Puis il a dû mettre un terme à sa carrière à cause d'une blessure similaire. C'est un peu un clin d'œil à son histoire réelle. C'est le fun. Pour les petites filles de 14-15 ans qui trippaient sur Swayze dans le temps, il faut ajouter que cette même année, là,
Sweezy est nommé l'homme le plus sexy de la Terre par le magazine People. Sexiest man alive, hit the music. 1992, sorti de La Cité de la Joie, version française de City of Joy, où il incarne un jeune chirurgien, de Houston au Texas, qui, à la suite de la perte d'une jeune patiente, part à Calcutta en Inde en quête de spiritualité. En gros, il fait une mère Teresa, mais... Teresa, oui, c'est ça. Teresa. 1994, c'est une date fatidique car sa sœur Vicky, elle se suicide d'une overdose, ce qui le fait rejeter dans l'alcool. C'est ça, malheureusement, tu sais, l'alcool, c'est comme la cigarette, c'est comme un jeu. Juste une simple dose peut rendre quelqu'un accro au bout. Oui, et puis tu sais, ces grandes célébrités-là ne pouvaient pas nécessairement sortir dans les bars partout. Puis même encore aujourd'hui, tu sais, ils se font reconnaître partout, ils ne peuvent pas aller à l'épicerie, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils sont dans l'alcool, dans la drogue pour essayer d'oublier leurs problèmes, tout ça. C'est pas jojo d'être nécessairement une célébrité. En 1995, en fait, il interprète une drag queen aux côtés de Wesley Snipes dans Wong Fu, Thanks for Everything, Julie Newmar. C'est qui Julie Newmar? Le sais-tu, vous savez c'est qui les fans de films? Ben, c'est la femme chaude dans la série Batman et Robin des années 60. C'est vrai. Belle madame, à l'époque. Ben, elle est encore belle à genre 90 ans. Belle madame. 1997, mesdames et messieurs, c'est l'année où il reçoit son étoile sur le Hollywood Walk of Fame pour l'ensemble de sa prestigieuse carrière qui est grandement méritée. Yes, voici quelques autres faits dans le fond de Patrick Swayze. Bon, Black Dog, lettre à un tueur dont le tournage a été interrompu pendant 2 mois en raison d'une grave blessure subie par Patrick Swayze. Est-ce que tu veux en parler, mon Ben? Oui, ça a donné que pendant une scène, il est tombé de son cheval. C'est arrivé en 1997, parce que le film est sorti en 1998, comme tu l'as précisé. Il a heurté un arbre, il se retrouvait avec les deux jambes cassées et 4 tendons de son épaule se sont immédiatement détachés. Puis il y a d'autres films à part de ça qu'il a fait. Yes. Green Dragon, Donnie Darko. Yes. Donnie Darko, là, on devrait pas parler de ça, mais je pense qu'il fait un pédo. Parce qu'à un moment donné, sa maison brûle, puis il retrouve des magazines. C'est un personnage, là. Je pense pas qu'il était le même dans la vraie vie. Ben non. 2008, lors d'une réception pour célébrer la nouvelle année, Patrick Swayze ressent une sensation de brûlure à l'estomac après avoir bu une gorgée de champagne. Ouais, parce que ça, il en parle dans Hollywood Autopsy. Il prend une gorgée, puis c'est comme si quelqu'un il aurait versé de l'acide sur une plaie. Là. OK. Là, il a pris un genre d'antiacide, il a fait semblant de rien, là, pour pas inquiéter tout le monde. Est-ce que tu penses que quelqu'un aurait essayé de l'empoisonner? Ah, non, c'est justement, j'en viens au fait. À la mi-janvier, genre 2 semaines plus tard. Après une batterie de tests, on lui a malheureusement diagnostiqué un cancer du pancréas stade 4, maladie qu'il a tenté de combattre pendant plus d'un an et demi. Ses excès d'alcool et de tabagisme ont probablement été les principaux facteurs de cette maladie, parce que c'est le genre de gars qui fumait 3 paquets par jour. Ouais, c'est ça. Mais dans le temps, c'était ça. Là. Le monde fumait, puis il y avait des annonces de players. Là, tu fumais, puis tu fumais pas, tu étais un trou de cul. Il fallait que tu fumes. C'était ça. Tu fumais comme des cornflakes. Exactement. C'est ça. Ensuite, par la suite, à la mi-janvier, dans le courant de l'année 2008, il joue son dernier rôle dans la série The Beast, où il incarne Charles Barker, un vétéran du FBI, aux méthodes peu orthodoxes. À noter qu'il suivait des traitements de chimiothérapie en même temps qu'il tournait la série. La série sort en janvier 2009. Et 13 épisodes. En fait. Ça paraît que c'est son dernier rôle parce que tu vois qu'il a tout donné. Ouais, il est fatigué. Il est brûlé. Non, mais il a vraiment tout donné. Il disait même au réalisateur, j'ai le cancer, mais tu me traites comme n'importe qui. C'est pas parce que j'ai le cancer que je vais me faire prendre en pitié. Il voulait faire ses propres cascades. Mais ce qui est plate, c'est qu'avec la chimio, il a tellement magané qu'à un moment donné, il n'écoutait plus son corps, le gars. Là. Ouais, c'est ça. Tu sais, juste dans Dirty Dancing, là, la scène du tronc de l'arbre, ouais. Il a fait lui-même. Il faut qu'il garde l'équilibre là, sur. C'est ça, il a fait lui-même, il n'y a pas de doubleur. Là. Non, c'est ça, un peu comme... Comme Steve McQueen faisait ses cascades. Jackie Chan. Pierce Brosnan. Ah oui, Coco Beware. Exactement. Janvier 2009, il accorde lui et sa femme sa dernière entrevue à la grande intervieweuse, la célèbre Barbara Walters. À noter qu'il venait de sortir de l'hôpital à la suite d'une pneumonie, ça allait affaiblir son système, la fameuse chimio. Oui, c'est ça. Puis en 2009, pris de convulsions. Il a été hospitalisé à l'hôpital de Cedars-Sinai, de Los Angeles. On lui informe que le cancer gagne du terrain et qu'il ne lui reste pas beaucoup de temps en fait à vivre.
Il veut finir ses jours dans son ranch. Donc, c'était aussi, je pense. De mémoire, il y en avait un en Californie, puis il y en avait un dans le Nouveau-Mexique. Okay. Mais c'est celui de Californie. En tout cas, si tu écoutes Hollywood Autopsy, okay. C'est en Californie. Okay. 14 septembre 2009, malheureusement, décédé, entouré de l'amour des siens. Entouré de sa femme et de son frère Don, décédé à la suite de cette maladie, le cancer du pancréas, à l'âge de seulement 57 ans. C'est dommage. Le 29 septembre 2009, sa veuve a publié une mémoire, The Time of My Life, qui est devenue un best-seller du New York Times. Le livre a été coécrit par Patrick Choisy et a été terminé peu de temps après, avant sa mort, excusez-moi. Et puis, on va s'entendre, là, The Time of My Life, c'est la chanson thème, la chanson qui était la plus popularisée du film Dirty Dancing. Ouais, t'as repris par les Black Eyed Peas, je te voyais venir. C'est ça. Yes. Ensuite, le 2 janvier 2012, Nimi a publié une autre mémoire, on parle de Worth Fighting For, qui est également devenu un best-seller du New York Times aussi. Ça, dans le fond, le fait qu'elle écrive, c'est une manière sûrement de, au lieu de noyer son chagrin dans l'alcool en écrivant. Oui, c'est sûr que ça l'aide. Ça, c'est un peu comme, j'ouvre une parenthèse, Roy Orbison, dans un accident de char, il a perdu sa femme et ses enfants, puis c'est pas, il a pas coquet, lui, il écrivait des chansons. Faisait de la musique, c'était sa manière de ne pas virer fou. Faudrait faire un spécial, Roy Orbison. Ben oui, ça serait cool. C'est ça, le 8 septembre 2013, malheureusement, sa célèbre mère, Patty, est décédée d'un AVC à l'âge de 86 ans. Yes. Alors, c'est ici que se termine notre émission spéciale sur le 15e anniversaire de décès de M. Patrick Choisy. J'espère que vous l'avez apprécié. Vous écoutez le Wrestle Rock Podcast saison 6. Je suis Johnny D et j'étais toujours avec mon partner de toujours, Benoît Laferrière, a.k.a. Nastrada Ben. Oh, et montre-lui ton tatouage. Merci, mon Ben. Montre-lui ton tatouage. Ouais, parle de ton nombril. Ouh, bon. Peux-tu dire ce que ça représente, justement? Ben oui, ça représente moi et mes deux enfants. Moi, je suis Papa Ours et il y a les deux petits bébés ours qu'on voit. Ici et là. Yes. On se retrouve très bientôt, les amis. L'action ne manquera pas. Au revoir.